Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. On va continuer. Il y a une jeune dame là-bas avec les tresses, elle que j'ai rencontrée à l'école de radio-télé. On était les deux noirs dans la salle. Tout le monde était blanc. Un noir et une noire. Mais on n'était pas à la même école de radio-télé. Il a commencé la radio à 24 ans, Radio-Canada, lui. Kathleen Henry, oui, depuis là, on a gardé le contact. C'est l'un des rares de l'école, de la session de l'école de radio-télé avec qui j'ai gardé le contact. On se voit rarement. Il était venu régulièrement au début de Vivement Poésie. Il habite à Montréal, Terrebonne, quelque part là-bas. Merci d'être là. Alors, c'est à toi le micro. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Kathleen Henry. Bonsoir. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une première avis de me dévoiler en public. Le texte que j'ai ici, c'est pas un poème, c'est un de mes premiers jets, alors que je partage avec vous. C'est un petit, une petite histoire que j'ai... Est-ce qu'on peut t'aider? On n'entend pas bien. Quoi? Expliquer que les grands... Merci Robert. Alors... Peut-être on dira que tu es grande et pas seulement longue. Merci. Alors, le titre de l'histoire, c'est comme ça. Je crois que oui, vous m'entendez? Oui, on... oui. Parfait. Ah oui, il y a plus de lumière. Alors, mon prénom est un prénom relativement simple. Pas trop compliqué, pas trop commun, ni très original. Pas très mignon, mais prononçable. Mes parents m'ont donné le prénom de Joséphine. Qu'il me plaise ou non, c'est comme ça. On ne choisit pas. Il paraît que dans notre inconscience, quelque part dans l'univers, avant même notre naissance, nous choisissons nos parents. Étrange, car si c'est vrai, cela signifie qu'on choisit d'être des enfants bien-aimés, mal-aimés ou trop aimés. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être né dans la mauvaise famille? En ce qui me concerne, je fais partie des mal-aimés. Ma mère est égocentrique et intransigeante. Il n'y a pas de compromis avec elle. Pour avoir la paix, il faut se contenter de suivre ses ordres. Elle m'accapare, elle m'étouffe. Pas étonnant, elle n'a que moi. Quant à mon père, il gagne bien sa vie. Il est ferblantier. C'est un homme beaucoup plus conciliant. Si au moins il prenait le temps de m'écouter, il pourrait me comprendre. Malheureusement, il cède à tous les caprices de ma mère. Le soir, à l'heure du souper, il n'y a pas de conversation. Mon père me répète régulièrement, « Mange, on voit tes os. » Il m'arrive parfois de m'imaginer d'avoir un frère et des sœurs. Avec eux, l'atmosphère a été plus agréable et la maison plus chaleureuse. Au moins, j'aurais eu un frère pour me défendre et des sœurs pour me confier. Des personnes sur qui j'aurais pu compter, mais ce n'est pas le cas. Avec ma mère, pas moyen de discuter. Si on pense autrement, on est vite ramené à l'ordre. Il n'y a de la place que pour elle dans cette maison. Plus je fais des tâches ménagères, plus je gagne la paix. Toutes les petites filles rêvent d'un prince charmant, mais qui viendrait me chercher en plein milieu de nulle part, dans ce petit village éloigné. Chaque jour, sur le chemin qui mène à l'école, je m'arrête au puits. Il est une source de tranquillité pour moi. Il me fascine. Il me permet de m'évader. La profondeur m'intrigue. Lorsqu'une roche est lancée, on ne l'entend pas atterrir. C'est curieux. Et si tout au fond, il avait une ouverture, un nouveau monde qui me permettrait de partir pour ne plus jamais revenir. Un jour, je m'y glisserai pour savoir ce qu'il y a tout au fond. L'idée de m'enfuir me paraît convenable. M'évader me semble être la seule issue pour trouver la paix. En attendant, c'est amusant de boire cette eau pure. Cette eau, c'est l'évasion. À l'école, tout plein de règlements à suivre. Il faut croire qu'à 12 ans, il n'y a aucun moyen d'échapper aux devoirs et à la discipline. À mon âge, on va à l'école parce qu'il faut y aller. C'est comme ça.
En tant qu'élève, on doit se conformer. Honnêtement, ce n'est pas terrible quand la volonté n'y est pas. Apprendre, apprendre quoi et pourquoi faire. Chaque matin, le prêtre enseigne le français. Ce matin, il explique que ce qu'il y a de remarquable dans notre quotidien, c'est lorsque nous sommes capables de constater quand il nous manque quelque chose. Tout le monde, imaginez-vous que vous prenez possession de la seule chose qui vous manque. Joséphine, chère amie, celle qui fait constamment des fautes. Allons, avancez-vous au tableau et expliquez-nous ce qui vous manque. Je cherche la liberté. Très bien, mademoiselle. Dans ce cas, écrivez le mot « liberté ». Joséphine écrit le mot « liberté » au tableau avec une faute. Mademoiselle, expliquez-nous pourquoi vous avez écrit « liberté » avec un « e » muet. Parce que je suis de sexe féminin, alors je cherche la liberté. Donc, ça prend un « e ». Bien alors, si vous êtes un si c'est un camarade qui cherche la liberté, eh bien, je l'écrirai sans « e ». Joséphine, vous pouvez aller vous asseoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois-ci. Votre raisonnement est juste, mais le mot « liberté » est un nom féminin qui ne s'accorde pas. Il reste invariable. Je vais vous retenir pour faire de la récupération après le cours. Ainsi, vous arriverez à mieux comprendre le français. Joséphine retourne à sa place sous le son des ricanements des autres élèves. En plus de ne pas être douée en classe, elle n'avait pas d'amis. En route vers la maison, elle fait son détour habituel vers le puits. Comme d'habitude, elle lance des cailloux et se penche pour essayer d'en déchiffrer le son. Soudain, elle fait un mauvais mouvement, se penche beaucoup trop bas et perd pied. Joséphine se retrouve au fond du puits submergé. En essayant de remonter à la surface, un courant la tire au fond de l'eau et la dirige vers un couloir. Elle se retrouve dans le hall d'entrée d'une maison qui curieusement ressemble à la sienne. Joséphine réagit de façon spontanée et inconsciente. Toute trempée, elle se dirige rapidement vers sa chambre pour ne pas salir la maison. « Bonjour maman, bonjour papa », s'écrit-elle, mais pas de réponse. Surprise par ce silence, elle fait le tour des pièces de la maison et découvre qu'il n'y a personne. Un sentiment d'intense liberté l'envahit. Plus d'entraves parentales, tous les interdits sont devenus permis. Elle court dans la cuisine et s'empiffre de gâterie. Puis, elle se dirige en trombe dans la chambre de sa mère et se serre à sa guise, en commençant par le rouge à lèvres qu'elle applique de façon maladroite. Le parfum Chanel numéro 5 qu'elle s'asperge en trop grande quantité. La magnifique collection de chapeaux qu'elle essaie un par un sur sa tête trop petite en se regardant dans le miroir. Les chaussures à talons hauts, trop hauts, au point d'être incapable de marcher. Et ses soutiens-gorge qu'elle ne remplit pas. Elle aurait voulu être jolie et coquette comme sa mère. Pourtant, Joséphine est jolie, mais personne n'y fait attention. Après la petite parade d'accessoires féminins de sa mère, Joséphine prend une cigarette dans la boîte à cigares de son père. Faisant abstraction aux bonnes manières, elle s'installe sur la chaise, les jambes écartées, les coudes sur les genoux pour entamer sa cigarette. À l'essai de sa première bouffée, elle s'étouffe naïvement, mais elle prend plaisir et répète le geste. Soudain, il y a quelqu'un. Joséphine entend la voix de sa mère qui l'appelle. « Joséphine, c'est toi qui es là ?» Stupéfiée, Joséphine, qui est installée sur la chaise dans la chambre de sa mère, perd l'équilibre et tombe. C'est un réveil assez brutal pour Joséphine qui s'était endormie en classe. Toutes les élèves éclatent de rire. Au même moment, la cloche sonne. L'école est terminée. Embarrassée, Joséphine se relève et s'apprête à quitter les lieux. « Pas vous, mademoiselle. Regagnez votre place. Vous avez de la récupération à faire. » « Je dois faire de mon mieux pour ne pas décevoir ce prêtre. C'est la première fois que j'ai droit à cette récupération. Rares sont les gens qui me prêtent attention, » se dit Joséphine. « Je comprends que tu te sens prisonnière chez toi. Comment peux-tu savoir ça? Je n'ai pourtant rien dit, » pense Joséphine. J'ai compris que tu te sens enfermée chez toi, c'est évident avec ce mot « liberté ». Je t'ai vu à plusieurs reprises fixer ce puits et y lancer des cailloux. N'as-tu jamais pensé une seule fois à t'évader, d'aller dans le puits pour pouvoir partir? Si c'est le cas, ne fais jamais cela. N'y pense surtout pas, tu ferais une grave erreur. Tu veux savoir ce qu'il y a au fond du puits? Tu penses que c'est la liberté? Je fais un signe positif avec ma tête. Mon regard qui croise le sien veut tout dire. Très bien, dans ce cas, je te raccompagne. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour aller voir. En général, à 7 heures de l'après-midi, il n'y a personne. Nous ne devrions pas nous faire remarquer. En chemin, le prêtre m'explique que lui aussi, avant d'entrer dans les ordres, il avait été marié et avait eu une petite fille. Arrivé au puits, je m'installe. Le prêtre se prépare à manœuvrer le levier. Prépare-toi à la descente et tiens-toi bien. Ravie d'y aller, je me tiens fermement.
Enfin, la liberté est proche. Dans la descente, il fait très sombre. Rien ne ressemble à ce que je m'étais imaginé. Plus je m'approche du fond, plus il fait noir. C'est humide. C'est froid. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a rien. Déçu, je caresse l'eau du puits. J'en ramène un peu. Dans le silence, je regarde mon reflet. Au bout d'un bref moment, je tire la corde. Il me remonte aussitôt. Alors, Joséphine, où est la liberté? Vous avez raison, tout est noir. Dans le puits, tu es prisonnière de toi-même. Tu as ramené un peu d'eau? Regarde-la. Est-ce que tu vois comme elle est pure? Oui, je la vois, monsieur. Alors, retiens bien ceci, Joséphine. Ce qui est pur comme l'eau est en toi. Tu n'as pas à chercher plus loin que ça. N'oublie jamais cela, petite fille. Joséphine serre le vieil homme dans ses bras et le remercie. Cette journée-là, en rentrant chez elle, Joséphine se sentait en paix. Elle avait compris que tout ce qui l'entoure, sa vie, ses proches, sa famille, son école et le puits, ne changerait pas. C'est comme ça. Mais ce n'était plus bien grave, puisqu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Catherine, merci beaucoup, Catherine. Merci d'avoir fait le déplacement de Terre-Bona ici pour nous délivrer ce poème. Maintenant, il y a un monsieur que je rencontre pour la première fois. Il est assis juste devant. Salut Dorin, c'est un ami à Gary qui est venu. Et ouais, j'ai vu que ce micro ouvert, je viens lire. Tu dis d'accord? Non, il y a les invités d'abord, ensuite. Et il m'a donné un CD, poème, il répond au nom de Raymond Chassagne, c'est bien ça? Chassagne. Raymond, merci d'être là. Est-ce que tu as besoin de ta canne pour te lever ou bien tu peux te lever comme ça? C'est ton tour, un seul texte, ça va? Merci bien. Mesdames, il est originaire d'Haïti, c'est Nami Agari. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Raymond Chassagne, que je prononce bien. Merci bien, Raymond. Je sais que tu es grande taille. Merci de m'accueillir ici, où je découvre une fois de plus la puissance de la poésie. Et je suis très ému ce soir, d'abord par la pièce qui nous a été lue ce soir, et ensuite parce que ça nous ramène au rôle essentiel du poète dans le monde. C'est un rôle qu'on tend à diminuer de plus en plus dans une société moderne, enfanté de la théorisation du travail, de l'industrie, de la science, et même si je dois rendre hommage à la science qui nous guérit de certaines maladies, entre autres, je dois constater qu'on gaspille énormément d'argent à lancer des fusées dans l'espace, qui finalement n'ont pas l'air de servir à grand-chose. Alors nous célébrerons, vous me permettrez de le faire avec vous, de célébrer le rôle du poète dans le monde. Et rappelant la pièce qui nous a été lue ce soir, je me référerai à l'œuvre de poète d'origine africaine et antillaise. Je cite Léon Contrin Damas, je cite Aimé Césaire, je cite aussi Léopold Sédar Senghor, qui dans les années critiques, dans les années 20-30, se sont rencontrés à Paris, dans le salon de Madame Paulette Nerdal, pour fonder un mouvement philosophique qui s'appelait la négritude. Je rappellerai que la négritude ne plaidait pas seulement en faveur de la race noire méprisée et exploitée, mais aussi en faveur des ouvriers blancs exploités. La négritude était donc un humanisme. Je rappellerai aussi le rôle des poètes en pleine guerre, par exemple, de M. Paul Éluard, qui écrivit
en pleine résistance à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le poème est intitulé « Liberté » et qui galvanisa la résistance française à l'époque. Et je suis heureux de participer maintenant à des manifestations poétiques qui ont toute leur signification, toute leur place au Québec. Je vous dirai quelque chose d'anecdotique, que je suis arrivé au Québec, 3 jours après, je remontais la rue Saint-Denis et je regardais un petit peu ce qui se passait à droite et à gauche, et brusquement j'aperçois une petite librairie dans un sous-sol. Je regarde et je vois un site, Terre Québec. Ah, je me dis, bon, ben, c'est le premier livre à lire. C'était le recueil de poèmes de Paul Chamberlain, poète québécois. Il est déjà passé ici, à qui on a rendu hommage à Vivement Poésie. Oui. Et puis, alors, j'ai continué, et puis, il est arrivé que j'ai pénétré de plus en plus au cœur de la culture et de la quête québécoise. Au cours de mes études, j'ai lu énormément de romans québécois d'époque et j'ai eu le bonheur d'enseigner le roman québécois aux jeunes Québécois de secondaire 5. Ça a été pour moi un plaisir. Et je suis heureux ce soir de pouvoir vous offrir 2 ou 3 textes. Non, un texte, ça va, vraiment. Comment ? On a passé le temps, il y a d'autres gens qui ont un texte, ça va. Un texte. Merci. Blues à madame. Dansez ce blues avec vous, madame. La terre arrêterait ses horreurs de gloire, le sang, les prisons, les naufrages, le pain qui jamais pour tous ne fut quotidien. Les combats sans lendemain et les chagrins qu'on oublie dans la cendre. Danser ce blues avec vous, madame, s'épuiserait un aveu à la fumée de soir de grâce. Madame, la terre est mauvaise, la terre est inquiète, la terre est malade. Et devant que meurent les grands soirs rouges, dans le regard voilé des cadavres, et leurs questions immobiles. Vous seriez dans mes bras illusoires, une instant sorti de toute la langue du monde, ce par quoi l'homme étreint des bonheurs de faïence qui jamais ne furent. Et s'il faut qu'amertume et douceur se confondent, au moins guérirait une blessure ce soir-là, si vous dansiez ce blues avec moi, madame. Le temps d'un rêve à faire. Est-ce pour le Salomon du partage, pour selon de certitude, pour sable brûlant, témoin de corps noué, pour serpent de corail et d'île? Est-ce pour le suc infini d'étreinte et d'ivresse, pour sucer la joie à l'ombre d'une épaule, suivre la vie que la vie est atroce? Est-ce pour semence si l'homme tourne dos à l'opprobre? Est-ce pour Sorélina, pour satiété d'attente et de comble, survivre à la folie que la foule perd la tête? Pour Simon le Cyrénéen, bras de croix de Jésus, et pour serment qui gêne? Est-ce pour recours au perdant de ce monde, pour être livré à l'oubli, pour le sac du corps de la Vierge captive? Est-ce pour le sous-terre et la dépouille trouée de verre, le sommeil ouvert à l'Angélus, à la brunante, pour le suicidé retrouvant la liberté, ou simulacre, hélas, et le salam aleik?
Est-ce pour supplicier, mort sans parler, pour supplier à mon jadis, noyé de quotidien, pour supplique, glisser en attente et silence, et puis, est-ce pour solitude, couvrant de voile noir, l'un de ça, l'un tout, l'au-delà, et ce qui restait de sens et parole. Raymond Chassaigne, merci beaucoup Raymond. Je vais te réinviter, là tu auras le temps de lire tes longs textes, je te donnerai 10 minutes au moins, ça ce sera le premier dimanche du mois prochain. Si tu es disponible, je t'enverrai un courriel en échange des courriers avant de partir, ou bien je vais en parler à Gary qui va nous mettre en contact afin que je puisse m'inviter pour qu'il puisse lire ces textes un peu plus longs. Merci beaucoup tout pour l'exemplaire de CD, merci beaucoup à toi Raymond.